Prends tes chevaux, ta femme et tes gosses. Là-bas, il y a de l'eau. Bon, je fais une petite pause dans la détection parce qu'il faut que je vous montre un truc. On est arrivé hier soir sur cette zone. Alors, c'est pas le style de zone dont on a l'habitude. Habituellement, on préfère plutôt bosser sur du quartz. Et là, c'est plutôt un sol plat avec des petites billes noires. Mais on va peut-être continuer sur ce genre de sol finalement. On verra. Parce que là, on est tombé sur un patch. C'est quelque chose de phénoménal. Alors, je vous montre. Je suis montée sur le toit de la voiture pour que vous ayez une vue d'ensemble. Regardez tout ça. Alors, c'est pas des taupes, hein. C'est nous. Ou alors, c'est nous les taupes. Regardez tous ces trous qu'on a fait. Alors, c'est pas vraiment des trous. Hein. En trous, réellement, je dirais qu'il y en a 2-3. Sinon, on a trouvé, je sais pas le nombre exact, mais on doit être à peu près à une quarantaine de pépites. Elles sont principalement en surface, donc c'est ce que nous on appelle des dégagements. C'est-à-dire qu'à la limite, juste avec le pied, ça suffit. On voit un tout petit coup de raclage avec la pioche. Christophe est en train de continuer. Moi, j'ai fait un peu plus loin là-bas. Je ne sais pas si vous voyez mes traits à l'écran. J'ai presque rien trouvé. Par contre, là, c'est-à-dire l'emplacement de la voiture, un peu plus large, bien sûr. On est arrivé hier soir. Regardez tout ça. C'est impressionnant. Alors, j'espère que ça va durer. Donc, apparemment, du côté droit, là où je vous ai montré, il y en a beaucoup moins. Là, c'est vraiment le patch. Alors, on n'a pas fait en continuant plus loin, là, vers l'horizon. Du côté gauche, on n'a pas encore fait non plus. Ah, j'entends Christophe qui me dit qu'il y a encore un son. Alors, on retourne de l'autre côté. Allez, je vais zoomer un peu. Vous voyez, il racle juste un petit peu avec sa pioche. Voilà, c'est un tout petit peu plus profond, mais il enlève quoi, 1 ou 2 cm, quoi. Alors c'est de la terre, sablonneuse même, je dirais, avec juste des petits cailloux noirs, tout petits. Alors par contre, on a des problèmes d'interférence, hein, énormément. Très souvent, on trouve aussi des cailloux qui font réagir les détecteurs. Des cailloux ferreux, parce que sur notre pioche on a un aimant et ça reste collé à l'aimant, mais il y a aussi beaucoup d'or. Ah cool, je sais pas si vous avez entendu, il a dit encore une jaune. Ah c'est génial. Bon bah une de plus, c'est cool. Allez, je redescends et puis on va aller voir de plus près, on va voir ce qu'il a dans sa petite boîte. À l'endroit où il rejoint mes traits. Alors, c'est grande ? Ouais, je glandouille. On est venu te voir. Ah, ça bosse dur ? Alors, ce qui est bien par contre sur ce type de sol, c'est qu'on ne peine pas pour faire notre go back. Les marques sont super faciles à voir, il n'y a pas besoin d'appuyer sur la pioche. Ça c'est top. Et puis bah, le plus top c'est quand même qu'on trouve plein de jaunes, quoi. Bah alors, tu trouves plus ? Ça sent la fin. Mais j'arrive bientôt à la fin de la portion, il va falloir qu'on en refasse une autre. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'habitude de faire par rectangle. On se définit une petite zone. Alors Christophe, souvent, il prend des longueurs un peu plus importantes. Mais moi, je préfère vraiment des petits rectangles. Un petit go back, toc, tant qu'on a, dès qu'on a fini notre rectangle, hop, on en entame un autre. Donc ça fait un quadrillage, des fois dans un sens, des fois dans un autre. S'arrêter, on va s'approcher. Oui.
voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Il racle un peu du pied. Je vais pas mettre dans l'eau. Ouais. Après, il prend juste le... l'envers de sa pioche. Enfin, hein? Non, rien. Ah, je croyais que tu me parlais. Non, c'est pas à toi que je parle. Ah bon? Je te parle pas à toi. Sorti. Vous voyez, c'est déjà sorti. C'est vraiment en surface, hein. Là, il a enlevé quelques millimètres seulement. Oh là, je suis efficace, là. Du premier coup. Ça m'étonne. Ouais, c'est pas dans tes habitudes. Ah non, évidemment, je prends mon temps. Hop là, oh là. Ouh, elle est belle celle-là. Ah ouais, c'est peut-être bien une des plus grosses. Ouais. Tu veux que je te montre tout ce que j'ai trouvé? Ah bah oui, on est venu voir. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment une des plus grosses. Ah, elles sont belles. Hein. Là, elle est bien plate. Hein. Là, là. Ouais, elles sont principalement petites et plates. Ouais. Et celles que tu viens de trouver, mais elles sont moins nombreuses que quand on était là. Ah ouais. Quand on était devant là, là il y en avait plein. Là elles commencent à être un peu moins nombreuses, j'ai peur qu'on arrive à la fin du patch. Ouais. Bah après comme j'expliquais tout à l'heure, il y a l'autre côté. Ouais. De notre première de notre premier passage. Non, que c'est trop. Ouais, je suis dit, hein, il me reste encore un aller-retour, c'est bon. Ouais, ok. Voilà. Après, bon bah. Bon lui il va faire une petite pause, mais moi. Je vais peut-être attaquer quand même. Donc je vais vous montrer le début. Oui, elles sont vraiment proches les unes des autres. Hein. Il y a 2-3 mètres à chaque fois, maxi. Quoi. Donc on a commencé. Je dis pas de bêtises. Voilà. C'est là, donc 1, 2, 3. Au troisième aller-retour, ça a commencé. Oh, ça y est, il va en foutre. Allez, bon, de toute façon, à la fin de la vidéo, je vous dirai exactement combien de pépites on a trouvé. Bon, après, le poids, il sera peut-être pas extraordinaire, mais la quantité, ouais, je pense que ça va être assez... C'est bien, ouais. Allez, à plus tard. Ouais, je pense que ça sera pas mal. On va aller par là, je vais te montrer quelque chose. Ah. Voilà. Ok. Bah, c'est où j'ai fait tout à l'heure, ça? Ouais. J'ai vraiment l'impression que par là, il y en a beaucoup moins, quoi. Ouais, bah oui, je me suis bien rendu compte. Hein. Ouais. T'arrêtais pas, et puis moi je te regardais demain, je me disais, ah, il est encore baissé, ah, il est encore baissé. Bon, tant mieux, hein, ça me fait plaisir quand on trouve, mais c'est plus sympa quand on en trouve tous les deux, quoi. Là, ouais, regarde, t'as vu, j'ai fait quand même, il y a quoi, il y a au moins 15 mètres, j'en ai pas trouvé une seule. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 allers-retours. J'en ai retour, bah ça fait J'en ai trouvé que sur les 10 premiers mètres, quoi. Ouais. Et après, là, t'en as trouvé deux derrière le buisson, et après, plus rien derrière. Et après, il n'y a plus rien, ouais. C'est bizarre, hein. Bah, après, il faut bien que ça commence et que ça finisse à un endroit, quoi. Malheureusement. Bah oui, malheureusement, ouais. C'est ce que sinon, on est sur un terrain bleu, hein, un terrain pending, et partout, là, partout, tout ce que vous voyez, là, c'est pending. Donc, ce qui est dommage, c'est que, il y en a pas mal. Que ça s'arrête pas, que ça s'arrête si vite, quoi. Parce qu'après, de l'autre côté, il nous reste combien de mètres là de l'autre côté, t'as dit 300, c'est ça? Bah, juste avant la colline, donc on a à peu près 200 mètres. 200 mètres. Jusqu'à la colline. Donc on a 200 mètres de ce côté-là, et je ne sais et combien de l'autre côté. Bah là, on va. Et après. On voit l'antenne qui est au bout là-bas. Ouais, je sais pas si à l'écran on voit. Mais plus en fait, loin, il y a une là-bas, colline, y a... et derrière la colline, il y a une antenne. Ouais. Et on va jusqu'à l'antenne, jusqu'à là, devant l'antenne. Donc, donc on a encore 2 km, 2,5 km par là. Ouais. Mais il y a la highway qui traverse. Alors, comme dit le proverbe, chose promise, chose due. Voici donc les pépites qu'on a trouvées sur notre patch. Alors malheureusement, par rapport à tout à l'heure, on n'en a pas trouvé énormément de plus. Mais quand même, on est arrivé à un total de 56 pépites.
Donc là, je mets le couvercle d'une boîte pour faire la tare. Et voici donc les pépites. Donc elles sont petites. Hein. Elles sont vraiment petites, mais nombreuses. 56. Donc on arrive à un total de 16 grammes 36. Et c'est vachement bien. 16 grammes. Donc en, on va dire une bonne journée. On est arrivé hier soir, on a dû faire 2 heures. Plus là aujourd'hui, on a fait 7h30. Donc voilà. 9h30 de travail. 16 grammes. 56 pépites. Elles sont vraiment petites, hein, la plupart. Il y a une ou deux belles qui étaient un peu plus profondes d'ailleurs. Mais sinon, la grosse majorité était vraiment en surface et toute petite. Je vais vous en peser une pour vous montrer ce que c'est. Vraiment, quand je dis petite, voilà. Ah mince, peut-être que j'enlève la tare. Hop là, j'allume, j'éteins. Ou j'éteins, j'allume. Voilà, voilà. Je vous montre. J'en mets une seule sur la balance. Elle fait 0,21 celle-ci. Vous voyez ? C'est pas énorme. Hein. Je mets celle-là. Donc la balance s'est bien remise à 0. 0,15. C'est du petit. C'est du petit. Mais c'est de l'or. Voilà. Alors, ce qu'on regrette souvent, quand c'est ce genre de situation, c'est qu'elles n'étaient pas plus grosses. Parce que chaque fois, pour ainsi dire, ouais, je réfléchisse, ouais, chaque fois qu'on est tombé sur des patchs avec une grosse quantité, c'était des petites. Quand on trouvait des grosses, malheureusement, on n'avait pas cette énorme quantité. 56 pépites en 9h30. Quand même chouette. Alors 16 grammes en 9 heures, on va pas se plaindre. Tant pis si elles sont petites, elles sont dans notre boîte. Allez, à la prochaine. J'espère aussi pour de très bonnes nouvelles comme celle-ci. Enfin, très bonnes nouvelles pour nous.